C'est parti. Et que YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Note Sauberry. Nous sommes mercredi, il est 21h10 et un miracle est apparu dans cette maison. Et oui, même les abonnés du live n'en sont pas reviendus. Et non, puisque enfin, oui, enfin, enfin dans cette petite maisonnée verte, nous avons le portrait de Pomme qui est apparu. Oui, enfin, la génération est finie et j'ai enfin fait son portrait. Nous avons donc maintenant une belle flopée. Bah là, vous voyez pas, parce qu'avec le chat et ma gueule, bah, vous n'avez pas grand-chose. Une belle flopée, et en plus il fait nuit, de héritiers de toutes les couleurs, hein, de la famille Rainbow. Nous sommes à 9 sur 10. Il manque plus que la petite Céleste pour compléter ses portraits. Et pour l'instant, eh ben, on n'y est pas encore parce que la demoiselle, ben, toujours demoiselle, hein, toujours petite adolescente. Et je me souviens plus. Ah oui, on avait viré sa sœur, dit. J'avais oublié, moi. Oh, j'ai complètement largué. Hein. J'ai passé une semaine, j'ai oublié. Céleste devient adulte dans 3 jours. Eh ben, c'est cool. Mais il faut qu'on la mette en couple avec son mec, dont j'ai déjà oublié le prénom, d'ailleurs. Ah, ah oui, merde, non, c'est pas lui. C'était qui? C'était lui. C'était Vlad. Vlad Korez. Qui fera d'elle une femme mariée. Et pas si joyeuse parce qu'elle ira le tromper. Mais ça, je ne vais pas le dire. Eh ben, allons-y, allons-y. On est parti. Mettons-nous en route. Tiens, d'ailleurs, Pom-Pom, elle est contente. Elle va faire crac-crac, tiens. Ah, j'ai mon portrait dans le salon. Un peu con, ça, là, je vous jure. Oh là! Ça copule, ça copule! Bah d'accord, c'est propre. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah non, bah non, bah non, bah non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu vas te coucher. Tu vas te coucher. Et puis, je vous rappelle qu'en plus de ça, quand elle sera jeune adulte, on déménagera à Soulani. Eh oui. En vrai, cela se fait. Ah bah, j'avoue. Attendez, ça fait combien de temps qu'on n'avait pas le portrait, là? Ça commençait à s'attendre très dur, hein. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, vous dormez. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Sims, maintenant, quand ils baisent, ils dorment plus? Ou je veux qu'ils dorment. C'est pour ça que je les fais baiser. Ah, que ce, je suis vulgaire. On a plein de lapins. On a des lapins de poussière, on a des lapins de porcelaine, non plus que les lapins de poils. Mais ils viennent pas. Ah, tu as faim, ma Ginette. Allez, viens là. Tu vas faire à manger. Tu vas servir le petit déjeuner. Servir le petit déjeuner. Des œufs brouillés avec du bacon. Mmh. N'hésitez pas. Vous aussi mangez des œufs brouillés avec du bacon. Ou sans bacon. Ou sans œufs. Ça m'a... Les lapins de poussière, ça me rappelle... le live de l'autre jour là, avec ce cher Vincent Garcia, n'est-ce pas? Oui, il y a eu le feu. Oui, 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 oui. Alors, à peine fini de faire à bouffer, qu'il sera déjà l'heure d'aller en cours. Eh ben, dis donc, c'est pas trop tôt. Oh! Vous l'avez vu? Vous avez vu la quenouille? Non, c'était son père qui a popé ici, mais une fraction de seconde, quoi. Et Pompote? Bah, Pompote, elle est sur son ordi, comme d'habitude. Bon, ils font leur vie, les parents, de toute façon, hein. Le petit Vlad, et il va prendre le relais, hein, quand les parents seront plus là, pour faire le ménage. Ouais, ben, j'ai pas le temps de faire ces plats, sinon je... Ouais, tu vas à 4h, bah tu m'étonnes. De toute façon, moi, le matin, je mange pas. Je prends qu'un thé, et puis... bisous. Oh, il est trop mignon. Une peluche de poussière. Tabarnak de colis. Arrête, Uber Eats, là, de m'envoyer des trucs, là. Suffit, oui.
ça veut dire, ça? Mais essaie de me corrompre. Il a déjà eu de l'argent de ma part ce midi, ça suffit, oui. J'allais dire, mais pour qui c'est, pourquoi elle est enceinte? Mais en fait, elle boit un vieux jus d'orange de merde, là. Mais va en cours, toi. Ah non, on est dimanche. Moi, je parle d'aller en cours et vous me dites pas que c'est dimanche et qu'il n'y a pas de cours. Ah, bravo, hein. On voit ceux qui suivent le live, hein. Franchement. Moi non plus, je mange pas, mais heureusement, j'ai fait des enfants. Bah oui, bah ça, il fallait y penser avant, hein, ma pauvre Lucette. Hein. Regarde, moi, je suis tranquille, hein. J'ai des chats. Deux fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Et puis basta, casse pas les couilles. Là, ils dorment en plus. Quel bonheur. Ah, ma Ginette, quand je dis ça, je pense à autre chose maintenant. Merci, Martial. Tu vas appeler ton gars après. C'est dimanche, il n'y a pas cours. Merci, Marine, merci. Merci, grâce à toi. Oh, je ne l'avais pas vu, dis donc. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais qu'est-ce que tu t'es coincé là? Ah non, c'est bon, elle n'est pas coincée. Elle va appeler son gars après. Et puis, ils vont se mettre ensemble. Alors, SimTube et QQ Sims, ça importe plus trop, beaucoup. Hein. Les applications de nos jours, ça va pas. Alors, le mec, il est pas dans... Il est là. Viens. Pourquoi elle est triste? Oh, parce qu'elle est chiante. Non, il est jeune adulte. Oh, chiante. Oh, t'es relou. Hé, hey, tu vas avoir du mal à draguer, hein. Ah. 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 Nila. Nila, 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 la 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 la. Regarde, il est là, ton gars. Tu vas demander conseil. Oh, trop mignon, ils ont fait un câlin. C'est pas grave, hein. Ils vont faire connaissance. Hein. Oh. Oh, il est triste. Lui il s'en fout, il fait ouais je m'en fous de tes problèmes d'ado, ouais connasse. Et s'obséder par la célébrité. Non c'est bon. Ah on va lui dire qu'il est bien habillé, on va pas l'insulter par contre. Non. De préférence non. Ah c'est chiant qu'il soit déjà jeune adulte par contre. Ça va creuser le gap. Je n'arrive pas à voir, la qualité n'est pas assez bonne. Bah il faut mettre plus mieux. Après c'est parce que si vous avez pas une bonne connexion, peut-être que ça passe pas non plus. Et salut Jaël, comment vas-tu? Le bug des baignoires est corrigé ou pas? Je sais de semaine que j'ai pas joué. Bah j'en ai aucune idée, je suis bizarre. Ouais. Mais ça va bien, oui. C'est quoi ce mec? Va regarder les nuages. Appelle ta soeur, là, ta fille, là. Et discute à l'intérieur. Ah, il est jaloux, c'est vrai qu'il est jaloux, j'ai oublié. Entre elle qui est morose et lui qui fait la gueule, on est bien, tiens. Bon, on avait déjà fait ça la dernière fois. Bon, au moins, pendant ce temps-là, peut-être qu'ils augmentent leur... pas trop. De... Ah si, un petit peu. Il est pitre et jaloux. C'est-à-dire que pendant qu'il nous fait des crises de jalousie, on est mort de rire, quoi. Mais du coup, elle peut pas être en couple ado s'il est déjà jeune adulte. Mais oui, c'est vrai, ça, Camille. Donc ça marche pas, on est obligé de changer. C'est vrai que lui, c'est avec lui qu'on a casé Nila. Ah, zut. Bon, bah écoutez, je vais tricher. Je vais tricher... code de triche. Non, c'est pas ça. C'est dans commande. Anniversaire. Ado. Je peux... Oh oui! Il a perdu sa petite beubar. C'est pas grave, on reviendra avec. T'as combien de temps, toi? T'es à 10 sur 13. On va lui mettre la même. Ou un peu moins. Un tout petit peu moins. Quitte à tricher, allons-y gaiement, quoi. Commande du Sims, anniversaire, définir la quantité de jours total, on va mettre 8. Pas faire trop. Voilà, on gagne 2 jours.
Ça coupe tout le temps si je mets une meilleure qualité, malheureusement. Bah ouais, c'est ça dépend de ta connexion. Mais ça compte pas du coup. Bah il faut qu'elle se mette en étant ado en fait. Ça triche. Bah oui, bah on verra quand il sera. On peut voir générer quelque chose avec le MCC. Si Camille! On n'a rien vu, bien sûr que non, vous avez rien vu de toute façon, sinon c'est hein? Non mais dis donc! Ça veut dire! Et bon, il va peut-être juste être un peu moins sexy parce qu'il a plus de barbiche, mais. Au moins un poil pécho, quoi. Bah, le. Ouais, non, mais les autres, ils sont tous devenus jeunes adultes aussi, en fait. Donc, il n'y a pas le choix. Ils sont tous jeunes adultes. En fait, je les ai installés en tant qu'ado en même temps que Nila, je crois. Donc, comme elle est déjà devenue de jeune adulte, bah eux aussi. Je vais le dire à la police d'être Challenger Sims. Vas-y. Elle m'a fait sursauter. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a raconté son histoire? Oh. Tu vas féliciter. Tu vas faire toc-toc. Ma biche. Et tu vas flirter. Salut mon soldat, comment vas-tu? Les chachas, bah ils dorment. Hein. Ils vont pas te répondre. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est blasée maintenant. Quel relou. Ah! Ça y est. Elle a déjà la culotte qui trempe. C'est horrible ce que je dis. Ah, Floopy. Oh, t'as des belles mains. Elles iraient bien dans ma bouche. Mais avant ça, tiens, une fureur parce que tu pues un petit peu. Ah, j'en tremble que j'en perds mes jambes. Premier baiser. Échangé. Au bas de l'escalier. Et non, il faut pas grand chose quand même. C'est de pire en pire les Sims, hein. Quoi? Oh, c'est pas mal ça. On n'est pas censé faire durer un beau moment comme ça, vous imaginez? Il paraît que quand on fait des bisous, bah des fois ça peut, le temps s'éternise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal ça. Avec le petit cœur comme ça. Ouais, et c'est elle, l'héritière, hein, c'est elle qui est mise en avant, évidemment. Hein. Voilà, je fais ma petite miniature. C'est bon pour moi. Allez, salut, hein, c'était sympa. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Ah, elle doit aller aux toilettes? Pourquoi tu veux aller aux toilettes? C'est moi qui ai cliqué dessus? Oh là 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 là, ça fait des coquineries. Ouh, les coquineries. J'ai eu mon conseil de classe tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi? Fais gaffe, hein, je sors le fouet. Hein. Dis donc. Mais j'ai l'impression aussi, Coco. Mais regarde, quand on a fait le truc avec Vincent, là, c'était en moins de deux, il emballait des meufs, quoi. Tu fais, mais... Il se passe un truc ou quoi là? Par contre, ils veulent se barrer à une vitesse grand V quoi. Complimenter les parents. Nila s'en va. Nila s'en va. Et elle veut pas. Ah, petite amie. Oh, je vais écouter sous la douche, coquine. On sait que ça te fait. Hein, mais bon, quand même. Le temps s'arrête. Oui, c'est ça. Salut Sissi, comment tu vas? Ah bah ça va, tu arrives encore au début. On venait juste appeler le petit Vlad. On l'a rajeuni parce qu'il était devenu jeune adulte pour qu'ils puissent se mettre ensemble. Et maintenant voilà. Voilà, c'est son mec. C'est son cum. Après, vous n'êtes pas obligé de les mettre en couple dans les 5 minutes. Mais c'est vrai que ça a l'air d'être... Enfin, vous enchaînez 2-3 actions romantiques, ça y est, quoi. Avant, il fallait quand même que ça monte un petit peu. L'autre jour aussi, ça fait une présentation charmante, je crois. Il a pu enchaîner direct avec le premier baiser.
Oh la vache. Vous imaginez la vraie vie, vous? Bon, allez, échanger des anneaux? Non. Être désirable. Et on va se bécoter. Je pense qu'ils vont aller se bécoter dans le lit des parents. On n'a rien vu. Mais si ils se font draguer, je sais pas pourquoi. Que ce soit homme ou femme, genre j'ai le beau-fils et la belle-mère. Et je les retrouve en train de faire crack ensemble, j'étais choquée. Mais, non, mais t'as un mode pour faire ça. Moi, j'ai jamais aucun Sims qui a été faire crack-crack sans que je leur dise, en fait. Si, c'est arrivé une fois, je crois, non? C'était pas dans notre Soberry, justement? Dans le nôtre Soso? Ça me parle, mais je suis pas sûre. Qu'ils étaient partis faire crack-crack sans mon accord. Comme un accord. Il va aller... La seule fois où je clique sur lui, c'est pour qu'il aille faire le ménage. Va pas dans la chambre, papa. Hein. Ta fille est en train de faire des coquinades. Enfin. Oh non, ça va, tu peux y aller, il se passe rien. Qu'est-ce que c'est ça, ça? Oh là là. Oh là! C'est quoi ce fut? Non, Jean-Claude, ça c'est... Non, ce fut, non. Désolé, hein, mais non. Non. Oui, c'est arrivé les Sims qu'il faut regretter tout seul, ça a dû... Mais oui, en fait, quand je dis jamais, mais là, d'un seul coup, ça me rappelle quelque chose. Mais il me semble que c'était dans notre Soberry. C'était pas Chamallow ou la Baronne ou je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a, Nila? Non, on n'a pas le temps. Je fais le notre Soberry, là, je suis arrivée à la famille rouge et ma Sims se fait H24 draguer et le copain de ma Sims se tape la mère de ma Sims. Oh, quel enfer. Tu avais peur pour le bébé? Oh, oui, parce que je voulais pas qu'ils aient fait un gamin. Alors que j'avais déjà pondu ce dont j'avais besoin. Ah là là, elle est toute en chaleur. Oh, tu es beau. J'aime trop tes dreads. Tu les fais pousser toi-même ou comment ça se passe? Ouais, ça creuse hein, de faire crac-crac. Hein. Enfin, de se bécoter, pardon. C'est pas du crac-crac. C'est du bécotage. Wax and X. Mon frère principal, qui est absolument adorable, a dit que j'étais une élève, voire l'élève, qui a le plus de changements positifs depuis que je suis arrivée l'année dernière, que ce soit au niveau des résultats ou du stress. Puis tout le monde a dit qu'il était content de moi, sauf Monsieur Stark. Monsieur Stark? Comment? Faut me le présenter, celui-là. Il s'appelle vraiment Stark? Prof de philo, résultat 13,75 de moyenne et des compliments. Bah, c'est GG! GG, ma petite mo-soldate. Bravo à toi. Et braval! Vas-y, embrasse-lui les mains à défaut d'autre chose, coquine! Non, mais te barre pas, Jean-Guy! On arrive! Ah oui! Mais Nila! Nila, elle a quitté la baraque, elle continue à venir et tout, là. Bon, il en a marre, je crois, ton gars. Il est mims! Il est super mims, en vrai. Il est choupinou. Allez, bonne nuit, hein. Salut, hein, c'était cool, hein. Allez, au revoir. Ah, et sa mère, elle est alcoolique, oh purée, tout ce qu'elle fait, elle a fait à boire. Oh, moi, je les gère plus, hein, zut. Hein. De la zut, hein. Ah, c'est pas elle. Super. J'avais oublié qu'on avait des devoirs qui n'étaient pas à nous. Ah, t'as déjà fait tes devoirs aussi? Eh ben, tu vas faire de la photo après. Alors, tu vas faire de la photo. Parce qu'il faut qu'on ait le niveau 5. Ah! Oh!
de une œuvre c'est de l'œuvre de l'art contemporain. Regardez, un chiotte. Exposition. Elle va exposer après. Elle est morte de rire, c'est de dire j'ai eu l'idée du siècle là, j'ai pris les chiottes en photo. T'étais pas prête. Une photo de Nila. Vas-y, va prendre une photo de Nila. Nila. C'est ça ta photo de Nila à travers la porte, sérieux? Enfin, juste la porte quoi. Ouais, ok. Bah écoutez, c'est de l'art contemporain, on a dit. Bah on y va alors, on a un truc à faire, on y va. Hein. Ouais, voilà, on va prendre en grand format en plus. C'est incroyable. Merci pour ta participation. Oui, t'aimes bien la photo. Oui, tu l'as même pas vu la couleur de l'appareil, mais c'est pas grave. Je suis sûr, ces Sims, ils sont stupides alors. OMG, hein, qu'ils sont bêtes, hein. Mais retourne-t-il pas là? Ah, c'est bon, la porte elle est ouverte. Oh my goodness! Eh ben, oh là là, qu'elle est belle ta sœurette. Oh là là, qu'elle est belle. Oh, vas-y, bouge ton body, ma petite Nila. T'as pas été foutu de nager correctement. Et voilà quoi. Super la photo. Eh oui, c'est vraiment Monsieur Stark, ultra chiant, prof de philo quoi. Ça veut pas dire, hein. Il s'appelle Tony? Oh, t'imagines? Ou Anthony? Ou Antoine? Ce serait ouf. Ce serait dingue. J'ai hâte de voir l'expo. Oh, t'es pas prête, hein. T'es pas prête, hein. Tiens, on va faire de la photo. Là, j'ai une idée de photo, là. Là. Ou alors de l'assiette sale. Je sais pas encore. Ou la photo de la photo. Ou papa qui regarde la télé. Ou ma soeur qui boit de l'alcool. Des rideaux, une fenêtre. Ah. C'est bien ça. Ça, j'aime bien. C'est beau. Je l'ai pas centré. Elle a même pas pris un niveau avec ça. On est à 3. Cuisine. Cuisine. Et c'était quoi? Éducation. Et puis, super parents. Et alors... C'est quoi les skills qu'il faut quand on est critique, là, machin bidule, là? C'est ça, c'est critique qu'elle doit être? Je sais plus. C'est l'écriture, non? Ah, je crois qu'il faut de l'écriture. Je vais la foutre devant l'ordi, hein. Attendez... Je dois avoir la gueule d'un cadavre à l'heure actuelle, mais bon. Bleu! Ah mais non mais oui, alors c'est maximum de la carrière critique et je pense qu'il doit y avoir de l'écriture. En vrai. Il s'appelle Bertrand. Oh, pff, pff. Oh, tout le monde sauf Céleste. Allez ma cocotte, c'est bon, c'est toi qui hérites de ce magnifique... Je suis choquée. De ce magnifique ordinateur, machine à écrire. Il me semble hein, qu'il y a l'écriture. Il y a bien un gars qui a utilisé un urinoir pour de l'art, donc pourquoi pas un WC? Ben oui. Il y a bien un qui a chié dans les boîtes, qui a fait caca et qui les a mis dans les boîtes de conserve. Pourquoi pas? Je détestais la philo, mais j'aimais bien mon prof. Oh, ma prof, moi, elle était spé. Elle avait des pulls. Oh, mais je sais même pas d'où elle les sortait. Il y avait des pulls, mais vous savez, les pulls moches de Noël. Mais là, c'était pas Noël et c'était moche toute l'année. Il y avait des lamas dessus. Enfin, je crois qu'il y avait des lamas. Alors, tu me diras, ah, mais les lamas, c'est comme les Sims. Ouais, mais j'y ai pas pensé, moi, sur le coup, tu vois. Mais, il y avait... Oh, je dis lamas pour un exemple, hein, mais il devait y avoir des jubois, des cerfs, des conneries. Mais c'était même pas... Non, je sais plus, mais c'était horrible. Ah, oh, avec des jupes plissées qui allaient à la mi-mollet. T'es d'un certain âge, hein, mais c'est affreux. Je dirais écriture aussi, mais pas sûr, mais il me semble. Le cas, je leur dis, ça marche pas dans mon jeu au bout d'un moment. Bah écoute, j'ai l'impression que moi, ça va. Il y avait que Pomme qui y allait, donc... Elle en peut plus, là. T'as vu ta fille commencer à me dévergonder?
Ah là là, 15 ans et ça fait des saloperies dans votre lit là. Avec un rasta. Aïe aïe aïe. Et coucou Céline, comment vas-tu ma belle? J'espère que tu vas bien. Écriture et charisme. Ok. Ok. La jupe plissée mi-molle. Salut Brian, comment tu vas? Ah non mais c'était dégueulasse. La jupe plissée sur des pulls affreux de vieille... Enfin de vieille, elle était vieille. Hein. J'en ai des frissons dans le dos rien que d'y penser quoi. Je travaille beaucoup, je viens de finir le boulot. Demain matin, je reprends à 8h. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à venir sur les lives. Ah oui, bah... Eh ben, y en a pire que toi, il y en a qui se lèvent à 4h. Mais bon. Moi, j'avoue, j'aimerais pas me lever à 4h du matin. Je l'ai fait, à une époque. Ouais, on croirait pas. Mais oui, je me levais à 4h. Bon, je l'ai pas fait longtemps, mais je l'ai fait. Pour commencer à 5h du matin, hein, y a pas le choix, hein. Chacun son style. Certes, mais bon... Pas style et style. Des fois, c'est de non-style. C'est le néant, même, je dirais. Bon, j'espère que ça se passe bien, en tout cas, Céline, ton boulot. J'espère que ça se passe très bien et que tu te sens bien là-bas. Oh, je me suis niqué les doigts. Bon, bah, de toute façon, là, on va lui faire bosser tout ça. C'est toujours des skills de prix pour la carrière, c'est mieux. Comme ça, on galère à moins. Bah, de toute façon, on n'y est pas encore, hein, mais... Ah oui, je regarde là, mais c'était là qu'il fallait que je regarde. Ouh, tout va bien. Attends, mais je regarde même pas la bonne Sims. Oh là là, mais plus rien ne va ce soir. Plus rien ne va. Ok, écriture. Bon, on va faire jusqu'au niveau 3. Bon, il est minuit. Bon, ça va, tranquille. On a encore 2 heures devant elle. Jamais fait me lever à 4h du mat pour le boulot, je pourrais pas par contre me coucher à 4h quand je bosse pas ça. Ah oui, c'est pas ça. Ah bah qu'il dit tu hein. Il est plus facile de se coucher tard que de se lever tôt hein. Ça, c'est pas moi que tu... Hein. Que tu vas le faire... Ah bon, bref. Il y a rien dans le frigo, super. Servir le dîner. Allez, tu vas faire ça. Et on s'en fout de la table. Il est où ton père là? Pourquoi il fait pas le ménage celui-là? Pourquoi t'as les champignons, toi? Attends, t'as Toya et... Ouais, alors ça, je vais le donner à Céleste, parce que c'est l'héritage. Des tombes, oui, c'est un héritage. C'est bientôt l'anniversaire de Céleste. Là, je fais aussi un peu de vente et de la mécanique. Ah, très bien. Par contre, j'ai adoré ta semaine de vlog. Merci beaucoup, Céline, c'est gentil. Oui, à l'école, ouah, bah ça va, 1h20, tranquille. Tranquille. Bon, mais qu'elle mange aussi. C'est déjà son père, il est pas foutu de faire la vaisselle. Donc... Ah, inquiétez pas, après, va y dormir. Voilà. Ouais. Petit dodo à presque 2h30, ça va. Tranquille. Ça va, elle est jeune, hein. C'est vigoureux à cet âge-là, non? Mais j'en ai marre de ces lapins. Tiens, tu vas passer la spi. T'as que ça à foutre, là, de te foutre devant la télé, là. Mais on l'a passé tout à l'heure, la spi, hein. C'est chiant. L'aspirateur, à côté de Pomme qui dort. Très sexy. Je pense qu'il parle de la branche critique gastronomique. D'ailleurs, vous avez vu. Il est 21h39 et je suis même pas au lit. Clap, clap, mon soldat. Oh là là. Je commence à 10h demain, sinon je serai au lit. Oh là là. En plus, ça commence à 10h. Oh là là. Quelle feignante. Tu penses que c'est critique gastro? Du coup, c'est compétence cuisine qui est... Bah, ils l'ont pas précisé dans le challenge, en fait. Donc, je sais pas. Boulot comme... Je commence à 9h, mais le reste de l'équipe à 6. Du coup, pendant mon chômage partiel, je pensais à toutes mes collègues qui ne se levaient quand je vais me coucher. Oh là là! Quel thug, cette Camille! Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah oui, elle veut aller bosser? Bah, ça va, tranquille, hein.
Voilà. Accro au boulot. Elle est accro, celle-ci. Je travaille plus le jeudi et le vendredi pour l'instant. Oui, bien. C'est très bien, ça. Faut en profiter. Faut en profiter. D'ailleurs, je vais en profiter pour sauvegarder au cas où tout planterait. Ce serait dommage. Tu. Dans la carrière critique, niveau 4, tu dois choisir entre critique d'art ou critique gastronomique. Ah, oui, d'accord. Ok. Bon, bah, elle va aller en cours. Toute belle, pimpante. Regardez comme elle est... Elle est, puis elle est fraîche et puis elle est heureuse de vivre en plus, hein. Pas ça. Eh ben écoute, tu vas réviser. Parce que t'as déjà un mec, donc on s'en fout maintenant de qui tu veux rencontrer. Donc tu vas travailler. Ok. Et lui, il fait quoi? Bon, bah, il va se caler devant la télé, un peu comme d'habitude. Hein. Eh, va bouffer, va te laver, va. Fais un peu quelque chose de ta vie. Faut juste se lever pour le bus des gamins. Oh là là, mais toujours cette histoire d'enfant. Allez, 11 000. Ça va, on a encore un peu de marge. Pas beaucoup, mais un petit peu. Calusi, t'as fait le ménage? C'est bien. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il pourrait faire. Rien. Si, paye les factures, tiens, va payer les factures. Tant qu'on reste au-dessus du million, c'est bien. Ça commence à s'amenuiser, hein. Il est content, il va courir sous la pluie. Un peu bébête celui-là aussi. Ah tiens, et si je buvais un verre de jus d'orange pour pouvoir pisser plus vite? C'est tellement plus intelligent. En gros, ils ont une femme de ménage et lui, il fout rien, quoi. Ah non, mais il fout rien de rien. Ah! Oui! Ah! Yes! Les baignoires peuvent être réparées! Merci les Sims! Merci, 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 merci. Un projet scolaire et une promotion! Voilà! Magnifique. Et Nila qui est encore là, elle va passer sa vie ici maintenant. On lui a dit, barre-toi, fais ta vie avec ton mec. Bah, elle vient tous les jours à la chez ses parents. Je pense qu'elle est pas heureuse. Oh, tu pues Célestine, tu pues du... Tu pues du... Ah oui, tu pues. Ah, c'est pas encore réparé? Viens. Ah si, tout juste Auguste. Eh ben allez, prends un bain de mousse. Toi, va pisser. Ailleurs. Ah, 3 gouttes. J'ai pas le temps d'y faire pisser plus que ça. Oh, ta fille! Va te lui demander ce qu'elle a comme projet d'avenir, là. Histoire de voir. Mais oui, on peut enfin réparer. Et ils travaillent, hein, c'est les Sims, là. Ils travaillent, les gens. Ça se voit pas du premier abord, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as encore dit des conneries à ta fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était morte de rire, là. Quelle saleté, hein. Non mais les Sims, des fois c'est juste pas possible. Hein. Bon, et vous irez faire le... Ah, tu peux pas. Ils peuvent pas le faire sans Céleste. Parce que là, ouais. Elle a besoin de divertissement, la Jeannette, là. Allez hop, travaillez soigneusement, après t'invites tout le monde à faire le projet avec toi et ça ira plus vite. Idem, moi il part à 7h, donc à 8h30 c'est calme, mais surtout personne ne fout le bazar quand tu ronges. Ah! Eh oui.
Tu commences une partie, t'as pas trop de sous-sous que tu dois remplacer la baignoire, c'est un peu chiant. Oui, bah oui. Ou alors quand on te dit que c'est réparé et pas de remplacement, bah tu... voilà. C'est un peu l'arnaque, quoi. C'est comme dans Lord and Lady. Ouais, bah c'est pas du tout réaliste, mais bon, on a que ça, on peut faire que ça, donc... Sinon, personne peut se laver. Et ça, c'est un peu dommage. Très dommage, parce qu'après, tout le monde pue. Et les Sims qui puent, on a déjà donné à la génération fermier, donc ça suffit. J'en vais reprise de toi, ça a droppé pour ce petit monde. Ah non, pardon. Je voulais... Bon, bah, on va sauvegarder, alors. Qui c'est? Je suis tellement traumatisée que c'est l'histoire de tuyau. Là j'ai entendu du bruit dans les escaliers, je me disais l'autre va venir sonner à ma porte. Je me dis, il est presque 22h, c'est complètement possible. Initiative recyclage. C'est un petit robot qu'ils font? Eh oui! Oui! Ah la vache! Réussir à faire ça en étant au lycée, quand même, j'ai envie de dire, GG! GG la frime! Alors, servir le dîner, des boulettes de viande à l'italienne. Oh! Boulettes de viande à l'italienne! Voilà, cuisine, ce sera pas le truc le plus compliqué qu'on fera. Hein. Niveau des compétences, c'est plus simple. 4 pour un robot, bah oui, mais comme ça, elle le finit plus vite. Regarde, il est que 19h, elle a déjà fini son projet scolaire et elle a pris un bain avant. C'est facile, hein? Faut faire ça, parce que sinon, elle est toute seule, elle en a pour au moins une demi-journée. Puis on a juste exploité sa sœur qui était de retour, temporairement. Un peu de boulette, là. Ah, et c'est l'heure de la pub. Marine, elle a acheté la petite pub. Je vais donc vous diffuser un petit page de pub. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous en avez eu. Et puis c'est super. Ça voudrait dire que Twitch vous a choisi, sélectionné au hasard pour pouvoir me soutenir sans que ça vous coûte un seul centime. Et ça, c'est quand même cool. Voilà. Merci à vous et à plus dans le bus. Ce qui fait que ça arrive. Hop. Je me prête à appuyer sur le petit bouton. Bah. Moi c'est fait hein, c'est facile. C'était quoi cette pause qu'elle nous a fait? Elle était là. J'aime bien son petit haut avec les petits lapins et les petits champis. J'allais dire c'est quoi, mais c'est une fleur. Ah oui, c'est une fleur. Un petit sapin, une petite feuille, un petit gland. Petit pissenlit là. Comment il va ton amoureux? Tu vas aller lui discuter avec lui? Tu vas l'appeler. Oh, salut chéri. Hein. T'as fait quoi aujourd'hui? En hein oh, ouais. Hein. Moi aussi, hein. Oh, j'ai fait mes devoirs. Hein. En moyen. À jamais dans le tramway. Oh, joli ce mono. Joli, joli. Pas mal. Vas-y, on va en chercher maintenant. Merci beaucoup, petit cœur, pour la pub. Merci, Choriza. Et merci, Aurore, pour la pub. Merci beaucoup pour votre générosité. Qu'elle fait? Ah oui, ça, elle regarde les chapales et ça la fait. Oh là là, qu'est-ce que ça me divertit! Incroyable, dis donc.
Pinoy. Nochtaïch. 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 Attendez, hop là, pouf, pif, pouf, paf, pif, pouf. Je sais, il n'y a plus de son. Oh, je vous avais pas remercié, mais merci à Coco Juju pour le RT également du live. Merci beaucoup. Je parle pas beaucoup parce que. Pas fort parce que je me dis que. Ben comme je chuchotais, ben. Comme il n'y a pas de son, ben voilà. Oups. Ben écoute, va dormir. Oh, quoique non, il est même pas 22. Il est même pas 22, tabarnak. Tu vas t'entraîner à faire un discours. Alors, parce que s'il faut bosser le charisme, et ben, bossons le charisme. Et salut Foxy, comment vas-tu? Elle a combien au niveau charisme? Oh, bon, elle est déjà au niveau 4. Ça va en vrai, je vais plus la faire vous bosser la photo ou... La photo ou l'écriture. En vrai, c'est facile le charisme. Parce qu'il suffit de faire les trucs avec son mec là, et puis c'est basta. Hein. Illuminer la journée, flatter, tout ça quoi. J'ai pas mis de lumière dans cette pièce, je suis en train de me rendre compte que maintenant. Ah non, j'ai pas mis de lumière. Bah. En même temps, hein, avec un bar de cette luminosité, pourquoi mettre une lumière? Ça fait tout le taf. Pas besoin de charisme? Ça va alors. Ça va Foxy, merci. Et coucou la drôlesse, comment tu vas? Je fais un coucou de ma cuisine, je mange avant de dormir, mais je voulais moins visionner un SB avant d'aller me coucher. Mais ça va bien la drôlesse. Ça me rappelle Amalice avec Pepper. Et les proutes. Les proutes en cadeau et les proutes, les nuages nocifs avec Pepper, j'avoue. Avec le teint qu'elle a dans un miroir, on dirait la mariée dans les noces funèbres de Tim Burton. Mais non, on l'a déjà faite, elle. Je sais plus comment elle s'appelle. Emily ? C'était Emily, je crois que c'était son prénom. Et niveau 3 d'écriture. 23h. Allez, vas-y, va te coucher. Et lui, il attend. Il attendait que sa fille soit partie se coucher. Merci beaucoup, Mélanie, pour l'abonnement YouTube. Il attendait que sa fille parte se coucher. Vous avez vu, hein, pour mater son petit porno du soir. Voilà. Oh, il dit, c'est quoi, il y a trop de scénar, là? Moi, je veux juste voir les scènes de... Hein? Écriture cuisine et cuisine gastronomique pour la carrière. D'accord, ok. Donc, on fera la cuisine gastronomique. Oui, j'ai mis le couple dans la galerie, ouais. Déjà vieux dans sa tête, il s'assoit et attend. Il attend la mort. Peut-être viendra-t-elle? Peut-être pas. Oh, ma petite Célestine. Oh, tu es belle, tu sais. Oui, je vais pas changer sa chambre. Elle aura une nouvelle chambre quand on sera à Soulaine. Le père, je le reconnais pas quand il est pas en caleçon à cœur. J'avoue. Mais les époux et les épouses dans notre Sobéry sont toujours en sous-vêtements. Parce qu'ils sortent pas, en fait. Je les fais pas travailler. Donc ils sortent pas. Je joue avec le couple Emily et ils sont fait un gamin bizarre la couleur du petit. Oh punaise, oui. Et la tronche aussi, j'imagine. Hein. Ça doit pas être terrible tout ça. 4h30 du matin, Pomme s'est déjà levée. On va faire le ménage, hein, Jeannette. Roux. Ah, la télé, hein. Notre meilleur ami, hein. Enfin, remarquez, ça reste le meilleur ami de beaucoup de gens dans le monde. Ben, c'est juste parce que moi, je regarde plus du tout, donc forcément... Forcément, ça me paraît complètement désuet. Mais...
Chacun sa life, quoi. C'est ça. Ça me manque absolument pas, en vrai. Mais par contre, quand je suis chez les gens et que je découvre, quand ils mettent la télé, je découvre complètement des choses. Comme les pubs. Et je suis fascinée par tant de conneries. Je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bah si, c'est la pub machin. Moi, je suis là. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Par contre, au bout d'une fois, je suis déjà saoulée si je la revois. Hein. Ça, c'est clair et net. Je n'arrive pas à supporter les pubs. C'est vraiment le truc qui m'a fait fuir la télé. Vu de gros yeux pareils. Ah, quelle horreur. Vous allez les faire se reproduire dans le jeu? Vous n'avez pas peur, vous? Vous pouvez faire une nouvelle ville, une nouvelle save qui se rappellera Strange Towns. Avec un S, parce qu'il y aurait plusieurs villes. Moi non plus, la télé me manque pas. Ouais. Que des conneries, hein. Ah, tu vas aller manger, ma biche. Ah, commence déjà sa journée en râlant, là. Enfin, elle râle pas, elle... Mais pourquoi tu t'es retrouvée sous l'escalier? J'ai vu le jeu. J'ai eu le temps de voir que tu étais sous l'escalier. Ah, moi, je sais pourquoi elle est triste. Parce qu'en fait, elle est génération bleue et elle évolue dans une maison verte. Ça va pas du tout. Les pubs sont pas... Ah, mais de toute façon, c'est à cause de ça que j'ai arrêté, en fait. J'en avais marre d'avoir tout le temps des pubs. Et ça durait, mais tellement longtemps. Et c'était du bourrage de crâne. Ah, j'en pouvais plus. La seule fois que je regarde la télé, c'est chez ma grand-mère. Bah ouais, non mais... Je regarde plus la télé non plus. Je suis surpris quand je regarde chez mes parents le dimanche, les pubs ne s'allumeraient pas du tout. Bah non. Après, YouTube bombarde de plus en plus de pubs aussi, je trouve. Ah, c'est possible. C'est grave possible. On est pour épargner, hein. Même sur Twitch, il y en a... Oui, c'est ça, Chorizo. C'est exactement ça. Allez, ma petite Célestine, va travailler à l'école. Va réviser assidûment. Ce soir, on fera venir son mec. Faut quand même qu'il... Être en couple, c'est une chose, mais il faut qu'elle le voit un peu, parce que... Se sont vus 5 minutes. Bonne compagnie, adore quelqu'un à proximité. Ravie à l'intérieur. Bon, elle a dû bien supporter le confinement. Hein. Mucci Pichi? Mucci Pichi? Non, il essaie de faire un bébé? Non. Mais arrêtez de vouloir faire un bébé! Juste crac-crac dans la douche, ce sera bien suffisant, dis donc. Allez me faire péter les vitres de la douche? Je sais même pas si elle va bosser. Hein. Ah. Yoppa. Ah, elle prend quand même le réflexe d'éteindre la télé. Elle dit non mais c'est bon au niveau divertissement, je vais lui en donner là. Et puis en plus de ça, ça va mieux glisser sur la douche. Elle dure de plus en plus longtemps. Ah ouais? YouTube, tu avais plus de 5 secondes que tu pouvais skip. Maintenant, c'est souvent deux fois des pubs de 15-16 secondes que tu dois laisser. Je suis désolée, du coup, parce que vous devez vous les taper chez moi aussi. Je devrais arrêter, en vrai. Ouais. Peut-être qu'elle bosse pas aujourd'hui, je sais pas, moi. Ça faisait trop de bruit pour mes petites oreilles. Ah là là, 9 et 7. Ah, la femme de ménage, elle arrive. Madame, il va falloir récurer la baignoire. Il y a un dépôt bizarre sur le fond, là. On sait pas trop. Ah si, elle va taffer? Oh bah, elle va taffer de bonne humeur, elle. Hein, je le sens. Ouais. Embrassée. Oh. Ah. Non, je suis pas sur pause. Creepy! Non, je suis pas sur pause.
En général, de chez toi. J'ai une amie qui a aussi une chaîne et elle voulait ni la monétiser ni mettre de pub, mais ça en met quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un truc nouveau. C'est-à-dire que même maintenant, ils s'autorisent, et c'est YouTube qui met des pubs sur les vidéos qui sont pas monétisables, et mais ils récoltent tout l'argent pour eux, quoi. C'est vraiment des enfoirés, en fait. Avec ta vidéo blog, j'ai eu le droit à 3 pubs par paire. Ah, putain. Ouais, bah, je vais enlever les monétisations, alors. C'était pas pour ça que je le faisais, des bases. Puis sur Twitch, les pubs, on les demande. J'avoue, vous voulez les pubs, c'est vrai. Ça va, YouTube, j'ai pas de pub, je l'ai bloqué. Ah, Choriza, tu me donnes pas d'argent. Tu as raison. La douche, la nécessité. Je ne suis toujours pas en pause. Hein. Comment prouver? Regardez, ça bouge dehors. Les lumières, tout ça. Lui ne bouge pas. Il est peut-être en position yoga de l'arbre. Et l'arbre, il bouge pas. Il est midi 13, il a toujours pas bougé. Je pense que c'est à cause de Pomme. Parce qu'elle est partie avec l'action comme quoi elle voulait l'embrasser. Et du coup, bah lui, il est programmé à recevoir son baiser quand elle revient. Et du coup, il bouge pas. Ce jeu est complètement flingué. À chaque fois, il y a des n'importe quoi ici. Cet homme est vide de sens. Il se prend pour un bon bout. Clint Eastwood, tu m'angoisses. Eh non, il bouge pas d'un millimètre. Hein. Il vous juge. Je crois qu'il vous juge. C'est bon? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Mais écoute, va regarder la télé, ma cocotte. Allez, va regarder la télé. Va regarder la télé. Elle finit avec un B. C'est bien! B comme c'est bien. Mais en plus, tu dois pisser, mon ami! Peut-être qu'il est juste buggé en fait. Je pense qu'il est juste buggé. Parce que là, il doit pisser sa race. Hein. Jean-Claude! Tu veux l'embrasser, ton mari? Ton mec? Moi, elle fait moins peur. Bon, allez. Oh! J'ai même pas eu le temps! J'ai pas eu le temps de le faire débugger! Bah, au moins écoutez. Hein. Au moins il aura. Il se sera débugué tout seul. C'était beau. C'était très très bien fait. C'était merveilleux, mon petit. T'as eu une journée incroyable. Ah, sinon, t'as fait quoi, chérie, aujourd'hui? Me suis pissé dessus. Non, ça c'était maintenant. Bah ouais, bah. Bah, tu m'étonnes que tu tires la gueule vu le problème que tu regardes en fait. Hein. T'as caché la télé! Non, embarrassé, ça fait pas électrocuter. Hein. Ouais, on faut faire des économies. Hein. Bah, va manger, ma biche. Tu vas prendre des restes. Et après, tu iras travailler ton écriture. Tu comptes les marier un jour ou t'en débarrasser? Ah, bah, allez, on va aller les marier là. Comme ça, on va inviter Vlad. C'est bon? Allez, on va les marier. Vas-y, va te donner des paroles d'encouragement, Jacqueline. Elle va mieux? Regardez, il va mieux. Qu'est-ce qu'il a? Goût impeccable, aime la décoration. Magnifique, il est tellement raffiné, Mathias. Adore ce style de décoration. Cosmolux. Cosmolux?
Qu'est-ce que c'est, Cosmolux? Qui est né, ce Cosmolux? Qu'est-ce qu'elle a? Parti trop vite. Ce pauvre appareil technologique a quitté ce monde beaucoup trop tôt. Il y a forcément quelque chose que Pomme peut faire pour le sauver. Ouais, hop, tiens, ça va mieux. Et toi, t'as pas besoin de le réparer. C'est bon? Ah là là, mon pauvre temps. Oh là là, mon écran s'est cassé. Mais quelle tristesse je suis. Incroyable. Je sais plus, ils sont fiancés ou pas? C'est, ah, ce sera elle, parce qu'en vrai, lui, comme il est froid. Faire crac-crac. On les avait pas mariés? Je me souviens même plus. I don't remember when I used to sit. Ah si, ils sont fiancés! On peut même pas les marier, il y a même pas l'option. Si, si, ils viennent me mettre. Mélancolie adolescente, je t'aimerai toujours et les jeunes t'aiment regardent autour de toi. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne le vois pas. Je ne sortirai pas indemne de ta mort avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment. Il est la vie est dure, bien sûr, la vie qu'elle est dure. Comme ma bite. Tiens bon, allez, je t'aimerai toujours. Je sais plus. Oui, il y avait ça, en fait, j'avais pourvu. Toi aussi, tu vas aller prendre ta douche, ma cocotte. Non, douche. Allez, vous allez vous faire des mamours et puis ça part en mariage. Mariage express tabarnak. Ça vous va pas? Vous savez quelle est la différence entre Sims 3 et Sims 4? Oh, eh bien, la différence est surtout visuelle. Les Sims 4 sont beaucoup plus beaux. Peut-être un effet cartoon, mais moi je préfère. Les mondes sont magnifiques. Rien, ça n'a rien à voir avec les Sims 3. Malheureusement, la différence peut-être au gameplay, effectivement, les Sims 3 ont peut-être plus de profondeur et plus de choses à proposer, mais c'est tellement laid. Je veux pas te mentir que moi je préfère les Sims 4. Il prend son main avec son caleçon. Bah pas toi. Il a le temps de s'enlever son pantalon, il était presque, j'avoue. Un chiffre. Oh, coco, même pas vrai, Tito. Hop, allez, on va se marier. Tu viens, chérie, on se marie, hein. 19h15, ça va finir à pas d'heure, cette histoire, encore. Alors, mariage. Deux invités requis. On va inviter notre fille, évidemment. On va inviter notre soeur. Oh, Raoul, il est tout vieux, tout moche. Oh, Jess. On s'en fout. J'ai pas envie d'être dans mon mariage, je la connais pas. Alexandre, Claire, Marina, Le Hulk, Nilla, Guillaume, Sean. Et on n'a pas Vlad l'Empaleur. Caroline aussi, j'avais pas vu. Caroline? Et on n'a pas... Si, on... C'est qui son mec, déjà, Opaline? Il est pas là? Il est mort? Ça en fait du monde. On va engager un traiteur. Un petit mixologue. Et nous allons nous marier. Marions-nous! C'est demain! À la plage. Il n'y avait plus d'add-on aussi dans les Sims 3. Faut laisser les 4 s'étendre encore. Mais bon, comme depuis les tout débuts, c'est long, très long. Ouais, j'avoue. Perso, les Sims 3, c'était le monde ouvert. Tu pouvais conduire ta voiture à l'école. Oui, mais c'était long. Ça restait super long, en fait. Ouais, mais ils ont l'air vachement heureux de vivre. Oh, la vache, t'as grossi, Opaline. Regardez-moi le gras du dos.
C'est... Mais c'est très moche les Sims 3. Moi, je suis désolée. On en a refait un petit peu. Faut s'accrocher, hein. C'est quand même pas beau, hein. Après, chacun fera son avis, évidemment, mais... Ouh, pourquoi il y a ça? Ah oui. Ah, tu vas mettre cette robe-là, il n'y a pas de raison. Et toi, mon petit, tu vas mettre ta tenue de mariée également, avec un petit costume vert. Oh, qu'il est beau, le haricot! Non, Raoul, mon amour, prunelle de mes yeux à moitié de mes pixels. Oh là là! Oui, en fait, dans les Sims 3, bah après, chacun voit midi à sa porte. Hein, mais moi, Sims 3, j'aimais bien à l'époque. Hein, mais je veux que tu mettes ça. Tu te changes, wesh. Mais c'était pas beau. Oh non, ça suffit. Ah, oh, j'ai mis un truc exprès et tout. Ah. Oh. J'ai du personnel. DJ Vedette, il va arriver dans 2-3 heures, donc on va y aller dès maintenant. Courir ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie dormir, elle. Oh là là, mais quel relou! Elle doit avoir ses ragnagna. Oh, qu'elle est vilaine. Charlie, c'est pas bien ce que tu dis. Regardez comme elle est belle, notre pompote. Oh tiens, j'avais oublié que j'avais mis cette robe-là. Alors, tu vas appeler un peu tout le monde, parce que là, je pense qu'il y a tout le monde qui... Vas-y, appelle le Hulk. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le Hulk. Et ni là, ni... Eh ben, elle est pas là, ni là. Et ni là, ni là. Alors, on va remercier les invités. On va se tenir à la main. Envoyer un baiser, discuter là. Oh, ça va les couleurs, hein. C'est haut en couleurs dans ce challenge quand même. Hein. Demandez conseil. Viendez vous asseoir là, bon sang de bonne soirée de tabarnak. Tu vas appeler ta soeur aussi, non? Ouais. Boire. Nous allons boire. Eh, je suis pas sur le bon Sims. Demain. Vous voyez un baiser timide. Discutez ici, puis vous vous mariez direct, hein, parce que en vrai, voilà. Oh, le Hulk, il a le même costume que le marié. Oh merde. Mercredi, le DJ est arrivé déjà en plus. Oh là là. Allez. OMG, hein. Il y a dans tes Sims qui a une voix tellement grave, ça m'a fait rire. C'est pas Raoul? Mais Raoul, il a une voix grave de ouf, hein. Bah dis donc, mademoiselle, quelle classe, hein, Marina. Et elle parle toute seule. Va t'asseoir. Tu veux te marier, toi, ou t'attends la Saint-Gilbert, là? Ah, Jess, va t'asseoir. Oh, c'est le mariage. C'est le mariage. C'est l'heure du mariage. Oh, c'est beau. Avec les fleurs et tout, là. Oh, c'est joli. C'est joli, tout plein. Moi, je trouve ça joli. C'est un terrain que vous pouvez retrouver sur ma galerie. Origine ID, agent Charlie, évidemment. Mais visuellement, ça a changé à l'époque. C'était déjà pas mal comparé au Sims 2. Ah oui, bien sûr, oui. Sims 2, c'est affreux. Hein. Mais bon. Et c'est l'heure du mariage. Mon pote avec sa fille qui a la même tenue de mariée que sa mère, c'est ça. On le dira pas. J'ai des préférences sur certaines tenues des fois. En fait, les mariés se sont fait piquer leur tenue. Marina a des chaussettes avec ses magnifiques chaussures. Oh, happy.
Happy Happy les mariés. Moi avec mon pull noir et mes cheveux comme ça, on a l'impression que je suis d'être un zombie, c'est affreux. Regardez cette tronche de vainqueur. Lily est content. Je suis content. Ah, je suis contente aussi. Ah. Mais il y avait du monde. Oh. Et il y a même Vlad l'Empaleur. Mais Jamie, je suis sûre que Jamie va... Ah oui, ouh. Mais c'est de toute beauté, dites donc, Mademoiselle Marina. Ah. Oh, magnifique. Jamie, tu crois où là? Tu crois que t'es à la foire ou bien quoi? Il en a rien à caler. En plus, il vous met sa grosse queue devant la cam. T'arrêtes de mettre ta grosse queue devant les gens? Ce serait sympa, oui? Hein? T'arrêtes? Viens, maman. Câlin? Câlin. Tes grosses fesses. Voilà. À ce temps-là, vas-y, tu vas me vomir dessus, là, je le sens. Faire un rototo de l'enfer. Et je croyais qu'elle était enceinte, mais en fait, non. Oh non, il a le hockey comme maman. Oh. Tu as le hockey, mon titi Jamie. J'allais dire mon titi, c'est l'habitude. Tu as le hockey comme maman. Mais tu l'as pu. Oh, quelle tristesse. Moi, j'étais choupinou, ça. J'étais vu le petit hockey. Oh. Trop mignon. Bon, ben voilà, ils sont mariés. Ouais, ils sont là. Elle, je la love dans un grand cœur vert parce que c'est de la génération verte. Ben, GG, hein. GG, hein. On va remercier pour... Remercier. Tu vas remercier aussi. Bien sûr, tu vas remercier ta fille. C'est bien, il t'envoie des bisous, ton mec. Attends. Ah merde. Oh, tu t'entends pas avec le cousin. Pourquoi pas, après tout. Oula. Oh bordel! Agnès la dentelle! Ah ouais, carrément! Elle va nous taper dessus, hein! Vous savez qu'elle aime pas les mariages, hein! Allez! Tout le monde danse! Danse! Tout le monde danse! Danse! Ah mais c'est elle qui fait le traiteur! Ah, il est là le gâteau! Bon, il y a au moins un gâteau de fait! Le gâteau est fait! Le gâteau est fait! Je suis obligée de tricher là. C'est que ce jeu là. Hein? Elle est même pas foutue de mettre une décoration digne de ce nom. Elle s'éclate, Agnès. Ah bah ouais. Allez. On voit que c'est l'heure de la pièce montée. Je sais plus c'est quoi la chanson. Voilà le gâteau, sortez les couteaux. D'accord. La pièce montée, on va la démonter. Oula, elle ondule du cul, notre petite Céleste. Hein. Oh. Reconnaissons de toute façon, vous laissez. Bonne nuit, la drôlesse des bisous. À bientôt, à vendredi peut-être. Et ses mères ronron. Ouais. Ouais. On a le cœur en feu sur ta musique qui fait pas du tout danser. Faire en sorte que les mariés s'embrassent. Elle est où ta meuf?
Arrête, elle est où, toilette? Elle est où? Ah bah d'accord, elle est toute seule là. Ok, tout... okay, très bien, très bien. Ok, ok, ok. On va essayer de finaliser ce mariage quand même. Qui pour l'instant ne se passe pas mal. C'est assez rare pour le souligner. Mais je suis avec sa fille moi, mais n'importe quoi. Oh là là. J'ai dire pourquoi il n'y a pas amour là, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas sélectionné la bonne. Non mais laisse ton père tranquille. Fier, tu dragues à lui, mais... Ah, parce qu'en fait, tu le connais absolument pas, en fait. C'est pour ça que t'as pas pu l'inviter. Voilà, j'ai un petit chaton qui fait dodo. Oui. Oh là là, maman, je t'aime trop. Je suis accro à toi. Elle est encore là, la nièce, sa dentelle? Ah oui, elle est là. Fait sa broderie. Je pense qu'elle s'est énervée, qu'elle a renversé la poubelle. Eh, je l'ai payée, cette meuf, pour nous faire à manger. Elle a fait un gâteau et basta. Déjà, elle a même pas voulu mettre la décoration. Parce que c'est une sale vieille mégère pourrie. Mauvaise, va. Mais quoi? Moi, elle me fascine, cette vieille. Elle me fascine, cette vieille peau. Il est parti, le DJ vedette. Il s'est dit, moi, mon contrat est stipulé 3 heures. Maintenant, je me casse. Oh! Ah! Papa a découvert que sa fille... faisait des trucs avec ce garçon, quoi. Ça l'a choqué. Il se dit, mais qui êtes-vous, jeune homme? Vous avez dévergondé ma jeune fille. Ça ne va pas du tout. Ah! Comment tu vas, ma petite Nila? Est-ce que tu nous ferais pas un petit bébé? Conjoint aucun. Oh, merde. L'autre, il tombe à la renverse. Mais t'es con, toi, un petit peu, non? T'es pas un peu con, Jane? Avec qui on va te mettre enceinte? C'est qui déjà son mec? Ah, c'est Sean. Bah. Hein? Jamie, oh la vache. Oh, il y en a, ils ont l'air d'être tellement laids. Ouh, en même temps, pareil, hein, ça fait 10 générations que ça se reproduit tout seul dans le jeu, donc... C'est qu'au bout de 10 générations, ça fait peur quand même. Hein. Par contre, il y a quand même une belle proportion de Sims sans yeux marrons. Hein. Ouais. Ouais. Il n'y a pas, monsieur. Non. Voilà. C'est l'anniversaire de Céleste. Elle va devenir une jeune adulte. Un petit orage pour Agnès. Coucou les abonnés. N'hésitez pas à follow, hein, c'est gratuit. Pour lui, c'est pas pour moi, moi je m'en fous. Mais lui, comme ça, il a à manger. Un follow égale une croquette. Deux croquettes, une pour lui, une pour son frère. Ah oui, il y a 1h40 du mat. Allez, on va rentrer à la maison quand même. Ah oui, merde. Bon, allez, médaille d'or. C'était magnifique, merci toi à tous d'être venus. Ils se sont enfin mariés. Pour le meilleur et pour le pire. Alléluia, amen, Jésus. Hamdoulah. Et on rentre.
Ouais, ouais, elle a acheté la bouffe direct, la Agnès. Genre, ouais, non, ils vont pas bouffer mon gâteau. Ok. Peut-être qu'elle l'avait empoisonné, on sait pas. Hein. Allez, c'est pour tout le monde le dodo. Tac, tac, dag, dag. Ouais, vous êtes trop fatigué pour faire des cochonneries. Merci beaucoup, Laura, pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. Pourquoi ils viennent toujours là? Ça me tue à chaque fois, ça. Mais j'ai dit pipi, ma cocotte. Pipi et dodo. Tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir la vessie plus légère. Voilà. Ça veut dire que, là, mercredi... Ah, bah elle est déjà en train de clignoter. Donc au réveil, on lui fête son anniversaire. Déjà. On lui fête son anniversaire et puis couple. Enfin non, pas en couple encore avec l'autre. Aïe! Mais tu fais mal, toi! Non! Allez, hop, tu t'en vas. Tu fais mal, tu t'es chiant. Mais pas sur le canapé, Ginette! Va dormir dans ta belle chambre. Trop la fatigue. C'est dû, il y a un étage. Bon, après, cette robe lui va quand même très très bien. On va pas se leurrer. Elle a fait un gâteau vers la fin. Oui, oui, j'ai vu, mais... Voilà, quoi. Les cours de Céleste. Oui, non, elle va pas aller en cours. Je te le dis direct, moi, elle va pas aller en cours. Le directeur, il l'appellera et elle fera... Hé, je suis majeure, je fais ce que je veux. Oh. Ça a été, le jeune marié? Vous avez consommé votre... Oh, bah, dis donc. Elle est devenue une vieille peau maintenant avec sa vieille robe de chambre. Le Hulk. Oh, le Hulk, il est devenu vieux dans la nuit. Oh mon dieu. Ah, là, c'est la décrépitude qui commence. Le Hulk, il est tout vieux. Oh, Mazel Tov. Oh. Il est scientifique, hein, le Hulk. Ouais, remarque. Si, oui, ça me... c'est nous qui l'avons mis... Et alors, et celui-là, c'est quoi? Connaissance. Ok. Ma Céleste, tu vas pouvoir te lever, hein, biche? Ma biche! Ma biche! Comme on dit dans les Sims. Tu vas pouvoir prendre des restes, si tu as le droit, tu n'es pas obligé de faire la cuisine. Puis on va faire ton anniversaire. L'hécatombe arrive, ouais. Bon, ça va, ils étaient que 3 dans cette génération, donc ça devrait aller. Tu as déjà une petite idée de la maison que tu feras pour la prochaine génération? Pas du tout! Oh, ça y est, ça commence! Non, c'est le directeur qui appelle. On répond pas parce qu'on est des thugs. Et alors, les amoureux? Les amoureux? La 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 la! Mais qu'est-ce qu'on mémé? Mais qui sont gnangnan? Et elle pleure. C'est bon, ma cocotte? Après, tu pourras faire ton gâtal. Tu pourras faire ton gâtal. Il est si beau et si... Je sais pas. Un gâteau blanc? Non, il faudrait un gâteau bleu. Avec les confettis. Gâteau bleu au confetti, je sais pas si tu l'as débloqué. Oui, nickel. Moi, c'est demain mon anniv. Oh, bah zut, Anne, je pourrais même pas te souhaiter en live. Quelle tristesse. Tu vas prendre la semaine, je t'ai pas si... Pourquoi tu veux regarder la télé, en fait? Je t'ai demandé de faire un gâtal. Oh, c'est pas vrai, mais... C'est pas possible. On te souhaitera quand même demain. Au pire, ce sera vendredi. Ah là 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 là. Et que je dois me retaper toute la liste pour faire clac. Tu bosses ou pas, toi, Jeannette, aujourd'hui?
Non, elle bosse pas. Ouais, ben. Tu vas aller courir, ça te fera les pieds. Et lui, il fait le ménage. Il fait le ménage! Ben non, c'est triste, je vais pleurer tout sous les couvertures. Oh, ben non, Bichette! Tant que tu fais pas caca en ayant peur, tout va bien. Ou en colère. Ça va, t'as rien fait, ta fille. Mais pourquoi? Ah, c'est à cause de la femme de ménage. Qu'est-ce qu'elle a besoin de mettre son nez dans le frigo, elle? Quelle violence. Bah ça va. C'est pas toi qui paye les portes. Et tu ramasses ta merde là. Vieille peau hein. Amélie Girard. Fille de femme de Mathieu Girard. Il lui reste un jour après elle crève. English Cottage. Ah mais attendez, c'est là où habitait c'était la maison de Pulcott. Ils habitent à Wittenberg, dans la maison de Pulcott. Peut-être une descendante, hein, parce que regardez les yeux. Voilà, pas de parents, hein, mais... Voilà, pas de parents. Et comme Marie, Jésus, Joseph, alléluia. Vire-la. Bon, pas avant qu'elle me ramasse sa merde. Tabarnak. Voilà, regarde, elle va... Oh, mais... Il passe l'aspirateur. Parce qu'il me semblait qu'il passait pas l'aspirateur, moi, les Sims. Ni majordome, ni femme de ménage. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ouais, tu vas faire ton anniversaire, toi. Avant qu'on perde... Faites avec tonneau, faudrait qu'on en refasse ça aussi. Séance de jeu entre bambins. Elle a creusé. Fête d'anniversaire. C'est mon anniversaire. Est-ce que tu sais qui c'est mon anniversaire? Alors on va inviter papa et maman, Vlad et Opaline. Non, pas lui. Yann, Nila, évidemment. Le Hulk, Alexandre, Marina, Guillaume, Sean. J'ai failli inviter Logan, mais on verra. On verra peut-être. Peut-être. Résidence Rimbaud, c'est ici. Oui, c'est la petite mise à jour, j'avoue. C'est peut-être ça. Peut-être pas. Ça, nous sachons. Dans ton jeu, il passe l'aspi. Mais moi, j'ai pas eu ça, moi. À chaque fois, il me dit, ça me faisait pas ça. Oh, qu'elle est mignonne dans sa petite robe, un peu le ciel à pois. T'es mignonne, toi, ma petite Célestine. Mignonnette, mignonnette. Bon, alors, c'est un peu la journée. Je sais pas s'il y aura du monde qui viendra à l'anniversaire. Edith, madame, vous voulez être ma... Amandine... Gliroy. Vous voulez être mon ami en Gliroy? Philippe Ouz et ma Gliroy. Maison de ville, enfant de la veuve. T'as pas de menton par contre, hein. T'as oublié ton menton avant de partir, je crois. Ouais. 10 générations, hein, je veux dire. On sait pas. Ah bah tu vois, elle a fini par nettoyer la jardin. Mon gâteau! Mais vieille pauvre, hein. Qu'est-ce que t'as foutu de mon gâteau? Saloperie! Alors? Comme même! C'est mon gâteau! Vieille pauvre! Oh mon gâteau! Wow. C'est le plus beau des gâteaux. Et il navigue sur les flots. Ce qu'il y a de plus beau, c'est le plus beau des gâteaux. Et salut, c'est Brienne, comment vas-tu? Oh, c'est beau le gâteau. Ouh,
Stilei. Stilei. Alors, qui c'est qui va venir à ton anniversaire? Oh, c'est ton oncle. Et à ta sœur. Ta tante et ton cousin. C'est trop cool. Ouais, il a la classe, Alexandre, quand même. Oh, Sean. C'est bien, je vais pouvoir les marier, les deux. Oh, Marina. Des tristesses. Eh, va manger un bout de gâteau, ça ira mieux. C'est bien, il y a du monde qui vient. Ça fait plaisir, hein. Et il vient pas, Vlad l'Empaleur. Alors, Sean et Nila. On va pouvoir faire ça. Commande du Sims. Maintenir le Sims anniversaire, non, c'est pas ça. Je sais plus. Code de triche, notification. Gros size. Je sais plus. Pour les mariés, je sais plus. Population. On va faire directement. Je suis trompée. MC Commode. Mais non, mais Jean-Claude. C'est moi, hein, qui, c'est moi Jean-Claude. MC Grossesse, début de la grossesse. Ah, on va y arriver. Là, il sera forcément là, parce qu'il est là. Mais il peut pas se reproduire, ce garçon. Liam O'Connor, il a pas l'air trop dégueulasse non plus. Eh non. Ben non, Jean-Claude. Contrôle. Choisissez un Sims pour une intégration avec Nila. Sean. Ah! Alors, amour. Essayez de faire un bébé. Ça marche, ça. Hein, je peux le faire moi-même. Hein. Je voudrais les marier, surtout. Suivant. Il n'y a pas. On va faire le bébé, alors. Hein. Hop. Il y va. Hein. Ah, ils vont y aller, hein. C'est trop bien. Oui, depuis le kit de ménage, ils achètent un aspirateur. Oh, mais j'en avais un, sauf que moi, tout le temps, mes femmes de ménage ou mes majordomes ne passaient pas l'aspirateur. Donc, voilà. Tout simplement, ils voulaient pas. C'était pas assez bien pour eux. Tranquille, hein, dans le lit des parents, évidemment. Elle s'est dit, attends, chérie, on a l'anniversaire de ma sœur. Je veux pas qu'elle fasse de gosse avant moi, donc... C'est parti. Ah, Vladi, Vlada. Oh, Vladi, oh, Vlada. Tu es beau, qu'est-ce que tu fais là? On va te faire des bisouches avant que l'on grandisse. Ce serait dommage. Mais je te promets de me réserver pour toi, mon cher. Nous allons nous échanger des anneaux. Signe de notre affection profonde et notre dévouement l'un à l'autre. J'avais jamais fait ça, un bébé commandé par MCC. Bah écoute, j'avais déjà fait des actions comme ça, mais pas le bébé. Oh! Vlad vient de s'engager pour la vie dans une relation amoureuse avec Céleste. Comme ça, au moins, tu vois, il peut pas aller canailleur. Il a déjà son petit anal. Enfin, anneau, je veux dire. C'est comme ça que ça claque tout bien. Jamais. T'es horrible. Ah là 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 là! Allez, c'est bon, fais ton anniversaire, toi. Va soufflette les bougettes. On va souffler les bougies. Là, je mets les règles parce que sinon je vais oublier. Alors, elle se ferait un petit chemin
parmi la foule incroyable venue pour son anniversaire, parce que elle au moins elle a des gens qui viennent à son anniversaire. C'est pas donné à tout le monde d'avoir autant de chance. Vous êtes prêts? Happy birthday Céleste, t'as grandi encore une fois de l'autre côté de la planète. Où que t'es petite Céleste, papa fait coucou. Papa et coucou. Regardez-moi cette tronche. C'est la fête. Ils sont beaux. Ils sont tous beaux. Ils aiment bien manipuler des choses phalliques, ces deux-là. Moi, je vous le dis. Elle est là. Elle est belle. Et elle fait des étincelles. C'est Célestine, notre dernière héritière, qui est devenue maintenant jeune adulte. Et apte à se faire féconder. Et son dernier trait sera proche de sa famille. Et voilà. C'est bleu. Bon anniversaire. Merci beaucoup Marine pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, trop cool. Vas-y, tu vas aller là et puis tu vas appeler à table. Ceux-là, ils attendent tous une chose, c'est de bouffer le gâteau. Trop bien le gif du 100 bits. T'as vu? Ouais, c'est le plus beau des gifs, hein, attention. Les gifs, des gifs, des nique ta mère, comme dirait JD. Attends, elle a pas encore appelé à table, ils se sont déjà servis dedans, là, les gougnafiers, là. Hé, tu vas faire des photos. Prends des photos, parce qu'il y a plein de monde, là, de la famille et tout, ça peut... Qui c'est qui a roté? On est d'accord qu'il y a quelqu'un qui a roté. Alors, son mec, son cousin, son autre cousin, sa mère. Allez, on va faire des photos comme ça, un peu. Non, mais regardez pas la cam, quoi. C'est un moment de vie en... Oh. Oh. Un moment de vie en... On va reprendre une photo. Ça va être chiant, hein, mais bon, je suis obligée de passer par là, hein, donc. C'est normal, c'est son mec. Qu'est-ce que t'as, toi? On te voit, hein. Oh, papa, il est heureux. Et maman est inexpressive. J'avais pas vu le guillemet. T'as vu Marine, hein? C'est beau, hein? Mais oui, on est les plus beaux, c'est normal. Merci beaucoup, Amlaz, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il y en a, ils ont pas bien vu. Ouais. Bon, y a qu'une solution hein, pour le revoir, hein, malheureusement. Juste parce que vous êtes trop mignon sur ce gif, agent 21, boule. Y a pas que sur le gif qu'on est beau. Merci Marine pour tes 100 bits supplémentaires. Merci beaucoup. Vous avez vu, elle a quand même fait un bisou. Et elle est en pige. T'as aucune race, ma pauvre Nila. T'as été faire des crapulades comme ça dans la chambre de tes parents à l'anniversaire de ta soeur, quoi. T'as tout loupé. Et tu reviens mine de en pige, genre... Ouais, non. Ah non, mais j'ai eu un accident, je me suis tachée. Une petite sauce blanche. Qu'il y en avait trop. D'abégé. Bon, je vais refaire des photos. C'est chiant, mais il faut qu'on y... Une fois qu'on aura le niveau 5 de la photo... Easy peasy, on n'en fera plus. Hein. Mais ben, en ce temps-là, faut que je bombarde mon disque dur de photos à la con. Ah, bah voilà, on va faire des filtres. Oh, ma sœur. Oh, mes cousins. Punaise, elle a une obsession avec ses cousins, elle.
Ma main. Ah, pom-pom. Quelle belle pomponnette. Oh, la pomponnette. Ma sœur et l'éloge de ma sœur. Allez. Ah. Bah, ça s'est cassé, les nouvelles. Par contre, c'est peut-être parce que j'ai un mode hein, qui fait que... Donc je confirme la photographie, nous sommes arrivés au niveau 4. Donc ça ira mieux après. Hein. Et l'autre, il est... Lui aussi, il est comme par hasard, en petite tenue. Pourquoi tu vas là? Tu fais quoi? Est-ce que tu mets plus à l'avance ce que tu fais? Jouer à Hillcock? Non, bah non, c'est ton anniversaire, meuf. Tu discutes un peu avec la populace. Comme même... Comme même, mêle-toi un petit peu là, à la populace. Il a même des tatouages là, j'avais même pas fait gaffe. Beau frère. Bah alors, Manila, qu'est-ce que tu fais avec tes ordures là? T'as fait râler la moitié de la baraque? Très bonne réputation pour Célestine. Merveilleux. C'est Marvelous. Bah voilà, hein. Elle entre officiellement dans l'âge d'adulterie. Et une fête récompensée. Allez, salut à tout le monde. Hein. À bientôt. Hein. Vous revenez jamais. Hein. Tu vas y bouffer, toi, parce que t'as pas bouffé. T'as pas bouffé? Et l'autre, elle parle toute seule. Vas-y. Ah, jeter, il n'y a plus de gâteau, en fait. D'accord. Ok. Servir le dîner. Du bar grillé. Non, mais c'est bon, j'en... Oui, bah j'en ai marre que vous jetiez vos ordures, là. C'est une blague ou quoi? Ça a jamais été rectifié, ce truc-là. Et elle est contente. Oh, j'ai un fauteuil. Oh, qu'est-ce que c'est trop bien, les fauteuils. On peut s'asseoir dessus. C'est vrai que c'est incroyable. Moi-même, je savais pas. Eh, oui, elle aime la cuisine, oui. J'ai cru que c'était la malice. J'ai dit, ah non, par contre, la malice, ça suffit, j'en veux plus. Comme même, bah bien sûr. Qu'est-ce que je suis relou avec mon comme même, franchement. Je pense qu'après cette journée et cet anniversaire, on s'arrêtera là. Pour qu'on puisse peut-être éventuellement bientôt, on sait pas, la semaine prochaine peut-être, créer la maison à Soulani. Oh là là, my god. Rien de savoir que je vais avoir une maison à faire, ça va me... Ça va me paniquer. Ordure en dessous de la chaise, ouais. C'est pas possible, ça. C'est des vrais dégueulasses, hein. Oh, ça va, Ginette. Merde, j'aurais pas dû dire ça comme ça. Tu vas te lancer dans une carrière. Tu vas venir critiquer. Parce que tu aimes la triquette. C'est comme dans le chat, ils aiment bien la triquette aussi, ceux-là. Donc ils triquettent tous les temps. C'est la triquitude. Tu me contamines avec ton quand même. C'est horrible, hein. Ça, j'arrive même quand je dis quand même, j'ai l'impression qu'il manque un truc. C'est horrible. Je me suis auto-pourri, mon propre français. C'est abusé. Alors, qu'est-ce qu'il y a en ce moment à Pôle emploi? Est-ce que je vais décorer des intérieurs? Non, parce que je vais perdre beaucoup d'argent et de temps et je vais pas être payée. Donc j'arrête de faire la connasse. On va faire les critiques, les likes et des dislikes. Allez. Voilà, voilà. Oh bah... Attends, quoi? Elle est au niveau 2! On a déjà gagné un niveau sans rien faire, c'est merveilleux! C'est Marvelous! It is very very good!
et we have to écrire un article right now because it is what it is asked pardon. Je sais plus parler. It is asked donc so. Oui, ça pue, c'est ta mère, écoute, pomme pourrie, hein, voilà. Quand le verre est dans la pomme, hein. Où tu écris ? Non, elle pense à sa mère est en face. Voilà. Écris ton article, ça te va bien. C'est magique, mais oui, mais j'avais pas fait attention que ce serait déjà le niveau 2. Prochaine promotion, journaliste spécialisé. Parce qu'en fait, elle a atteint le niveau 2 de la compétence d'écriture. J'ai bien fait de le faire en avance. La 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 la. Ah, je pense pas qu'il fallait écrire directement article, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça refoule du goulot. Ça refoule du goulot. Oh, papa, il a tellement pris l'habitude de nettoyer. Que j'ai même plus besoin de lui dire, il va direct. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. C'est un peu plus propre. Il est content. T'es soigné, toi, de base, ou pas? Non, il est bien élevé, froid et initié. On a réussi à le dresser pour qu'il fasse le ménage tout seul. C'est pas merveilleux. Je sais pas ce qu'il faut, moi. Ça va, Pom Pom? On va courir un peu, tiens. Oh, qu'elle est choupette. Elle est trop mimes. Bonne nuit, Chouriza, des bisous. À bientôt, peut-être à vendredi. Ah, les arbres violets. Oh, pourquoi violet, c'est la plus belle couleur du monde? Pourquoi on aime plus une couleur qu'une autre? Ça, c'est la question. Vous avez 2 heures. Ah ouais, parce qu'après, je vais me coucher, moi. Pourquoi je suis pom-pom, moi? Parce qu'elle bouge. Hop! Parce qu'elle, elle est assignée à l'ordinateur. Oui, j'avais compris. Non, c'est une warrior, Camille. Elle va rester jusqu'au bout de la night. En plus, comme elle a 1 heure de moins, elle a même pas d'excuses. Parce que elle, il va être seulement 22 heures. Donc c'est encore tôt. Donc il y a 0 excuses. No excuses. Bah, améliorer sa compétence écriture. Oui, donc, il faut carrément qu'elle fasse un niveau. Ouais, tu vas faire un niveau, hein. Tu vas pas te coucher avant, hein. Travailler à 10 heures en plus, ça va, t'as le time. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Écrire, s'entraîner. Voilà, elle a pas d'excuses. Moi je sais tout, hein, sur la vie de Camille, attention. Mais c'est quoi ces CEO? Ça suffit? Tu viens travailler ton écriture. Point, barre, à la ligne, poser, cracher, avaler, vendu la peau de l'ours. Ah oui, d'accord, bah je veux fatiguer. Oh là là. C'est pas une excuse, hein. Toi aussi, t'es pas... C'est pas une excuse. Non, je suis désolée, c'est pas une excuse. Tomber de fatigue, ce n'est point une excuse valable. Donc tu retournes, écrire, t'entraîner. Et en plus, elle pue. Non mais... Ah là là, quel toc cette jeune fille. Et ben tant pis ma petite Célestine, la semaine prochaine, et ben on te fera bosser 2 fois plus et ça te fera les pieds. Là-dessus, c'est moi là-dessus que je vais vous quitter mes petits YouTube. Bien sûr, YouTube, les petits culs de YouTube, évidemment. Et peut-être que la semaine prochaine, on aura une nouvelle maison, mais alors... Je garantis pas grand chose, hein. On verra. Parce qu'il faut déjà que je trouve de l'inspiration. J'ai pas envie de mettre 10 ans pour la faire. Parce qu'on la fera sûrement avant de commencer. Dans quel état je serai dans une semaine, on ne sait pas. Hein. Voilà.
En attendant, moi je vous fais des bisous, mon petit YouTube. Merci d'avoir regardé cette rediff. Je vous applaudis parce que ça vous a vraiment manqué le courage. Vraiment. Et on se retrouve la semaine prochaine et aussi pour d'autres vidéos, évidemment. Allez, des bisous. Ciao, ciao.